Je me trouve dans les entrailles du Languedoc-Roussillon, à Narbonne, pour vous présenter ma chronique d'écran local. Pourchassé par le service de la culture, un de mes amis, le photographe Subirana, a trouvé asile au théâtre. Et un autre, Casillac, a mis à l'abri ses Pandore à l'antenne du Conseil Général. Pour ma part, je suis relégué dans les ténèbres à l'Oréum romain, datant du 1er siècle avant notre ère. Oréum, H, O, 2 R, E, U, M. Je ne puis qu'épeler ce mot qui ressemble à horreur. En fait, il devait s'agir d'un entrepôt, tout d'abord militaire, puis de marchandises diverses, entre autres de vin, car le vin est ici, à Narbonne, depuis 2 millénaires. D'ailleurs, je ne vous ai pas tout dit. Bien que ma tête soit mise à prix, je suis à la recherche du N118. Non, ce n'est pas la nationale de Villacoublay. En fait, ce sont les fûts du Narbonne 118 que j'ai vainement cherché. Cela n'explose pas, ou du moins cela n'explose qu'en bouche. C'est un vin que l'on fait vieillir ici, dans l'Oréum. Chut. Continuité de l'histoire depuis les Romains. Quand on fut, on m'a promis qu'ils vont revenir. Un conseil. Quand il fera chaud, en juillet-août, si vous voulez vous rafraîchir un moment, faites donc la visite sous terre. Et si le corps vous en dit, vous pouvez prendre une bouteille à l'accueil. Et comme le dirait Lucrèce, contemporaine de l'Oréum et disciple d'Épicure, à la prochaine fois, si les galactons, les petits galactons et le service de la culture ne m'ont pas galacté.